Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Super Smash Bros. Ultimate où nous sommes dans l'endroit du quiz et on va commencer par débloquer Meta Knight. Il serait temps. Le fameux. Donnez-moi un véritable truc. Bon, on va faire ça. Ce sera un duel d'épéiste. Meta Knight contre Chrome. Quel mangera mieux. J'espère que Meta Knight va gagner. J'espère que Meta Knight va gagner, bon bah. Bah tout ce que t'as à faire c'est aller à gauche et c'est bon, t'as gagné. Enfin, il a gagné. Eh bah dis donc, en tout cas, il y en avait des personnages ici. Il y avait limite plus de personnages que d'esprits. Non, je rigole. Bon, en tout cas, c'est quoi ce combat là? Faut vous attaquer à un moment. Ah ouais, tu fais des contres, alors moi je fais. Ah le fameux. Ah le fameux. Je fais tout le temps mes contres trop tôt. Ah, je trouve que c'est difficile de faire des contres sur un ordi. Oui. Surtout quand il fait des trucs random, genre sauter au-dessus de ta tête. Ah, j'ai cru qu'il allait se suicider avec son yiha. Qu'est-ce qu'il fait? Ah mais j'ai vu, il y a une bombe. Oh, il l'a explosé avec son épée. Ah, tu manges du raisin finalement, t'es un peu Knuckles. Mais c'est pas parce que tu manges du raisin que t'es forcément Knuckles, hein. Ah, moi je croyais qu'il n'y avait que Knuckles qui pouvait manger du raisin. Bien changé le Final Smash. Non. Non? Finalement, si. Et voilà le grand Meta Knight battu par une carapace. Non mais j'ai triché, je devais utiliser qu'une épée. Alors lui aussi il a triché, il a utilisé fleur de feu. Ah oui, mais moi aussi c'est moi qui ai commencé. Bon. Meta Knight, Meta Knight, waouh. Meta Knight. Lui il compte pas, il peut pas être dans le jeu. Salut, bienvenue Link. Bah oui, non, bah, faut arrêter avec votre Link enfant rouge. Il y a quoi avec votre Link enfant rouge? Je comprends pas. C'est quoi le délire de Link enfant rouge? Non mais en fait, on voulait pas qu'il soit vert, mais ça, personne ne le sait. Il y a un truc, c'est pas possible. C'est la tenue super forte de Link, tu comprends pas, quand il a récupéré assez de morceaux de Doritos. Enfin, techniquement, c'est pas faux, mais... Mais... Voilà. Mais bon, c'est pas la première fois... Que, bon, là, c'est ok, c'est Zelda 1, ok, d'accord, même si sur son artwork, c'est le vert, du coup, ça n'a, elle, il ira dans le vide. Je suis un très piètre cow-boy, quand même. Mais, même pour, je veux dire, quand il a accompagné Zelda, Saria, pardon, il était rouge aussi, pourquoi? Je sais pas, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que, en parlant du rouge et de Knuckles tout à l'heure, je vais dire un truc totalement hors sujet qui est... Je pensais que Léviator chromatique avait les yeux violets, parce que Knuckles il est rouge aux yeux violets, Maki elle est rouge aux yeux violets. Oui. Et puis. Ah, désolé. Et voilà, mais en fait. Maki n'est pas Léviator et Knuckles n'est pas Léviator non plus. Par contre, Maki et Knuckles, ça c'est une preuve, c'est irréfutable. Attends, c'est quoi ça? Non, 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 attends. Oui, ha ha ha. C'est quoi qui a fait? C'était quand t'étais dans les airs. Vous vous rendez compte que j'étais en train d'essayer de comprendre pourquoi ça faisait... Mais fallait sauter. Mais ouais. Mais oui, je te l'ai dit. Ah oui, c'est ça, voilà. Ah si j'allais faire le machin, la projection.
Bon, on... Pourquoi il est mort? Parce que il avait pas envie de revenir. Attaque à l'épée. Attaque à l'épée. Oh, oh. Allez, c'est bon, on change déjà. Non. C'est quoi ça, Luigi? Bonjour, Luigi. Que faites-vous là? Et moi, je voudrais jouer avec Luigi, s'il vous plaît. Remporter la victoire. Oh, il m'a évité. Mais laisse-moi faire ça. Je suis déçu. Je peux même pas faire ce que je veux. Toi aussi, tu veux apprendre à faire. Bah, c'est ça. Oui. Chou. Chou. Quoi, déjà? Ah, il t'a fait l'attaque. Oui, j'avais plein de pourcents, en fait. Ah oui, t'as deux fois moins de power. Wow. Merci. Esprit. Te voilà maintenant en possession d'un esprit épéiste en tant qu'épéiste toi-même. Incroyable. Incroyable. Il se moque de toi. Moi je pense. Je le prendrai pas bien à ta place. Il fait la même chose. Pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a pas essayé de revenir un peu plus quand même? Genre, non, moi je reviens pas. Non. Okay. J'ai fait deux bécotés, c'est bon. Deux bécotés, je peux pas faire plus. Sinon après j'explose le quota. Bon, il y a d'autres trucs qu'on a pas fait? On est monté là? Non. Ah, oh, nouveau quiz! Ah, nous n'avons que deux choix. Lequel de ces esprits fait partie de l'armée de Bowser? On dirait que les deux réponses sont bonnes. Cet esprit est le plus fort de mon armée. Ah oui, c'est vrai, Iggy. Ah, il envoie des boules qui piquent. Ou des œufs piquants, voilà, des œufs piquants. Incroyable. Mais on a déjà fait ce combat. Dans le tableau des esprits. Je me souviens pas. C'est vrai? Alors j'ai peut-être fait toute seule, hein, oui, c'est possible. Mais moi oui, j'ai déjà vu ce combat. Je peux pas prendre des tuyaux. Ah si. Mon truc préféré de ce niveau. Prends des tuyaux. Ah tu rigoles, mais je faisais beaucoup ce niveau dans Smash 64 juste parce qu'on pouvait faire ça. J'ai pas connu ce niveau, alors du coup. Ouais, il fallait le débloquer. Je ne savais pas. Après tu fais ça et hop, tu sors d'un autre côté et après tu fais... Oh, je crois qu'il faut sortir quand même pour y retourner. Ouais, bon, plus le droit d'y aller. J'avais pas le droit d'y aller dans celui-là. Eh, hey, ils y vont eux là! Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi eux ils y vont et pas moi? Puis vous pour même les œufs pas. Piquants, il faudrait disparaître. Ah mais c'est pas fini encore! Bah non, t'as encore 4 piquants. 3. Oh le pauvre piquant. Pourquoi il y en a 2? Pourquoi ils sont là-bas? Plus qu'un. Le tuyau. Pourquoi j'ai pas le droit d'entrer dans les tuyaux? T'as plus pas assez longtemps. Ah mais c'est parce qu'ils sont fermés je crois. Lui il est ouvert là. Eh, laisse-moi y aller. Bowser qui nous écrit off piquant. Non bah en fait je sais pas. Quoi? Mais il était juste à côté! Pas assez. Oh, allez, qui peut mourir, moi? Oh là 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 là, ouais, l'œuf piquant! Mais c'est incroyable! C'est lui le meilleur. Mais regardez cet œuf piquant! Mais regardez cet œuf piquant! Il va dégommer Megatonite, non? Non, ça va. L'œuf piquant. Chocolat blanc. Ah oui, c'était œuf piquant contre chocolat blanc. Bien joué, vous avez gagné. Vous avez bien répondu à la question. Vous avez le droit d'aller dans l'espace, faire un autre quiz. Mais non, mais c'est pas possible, cet endroit il est infini. Oui. Bon, c'est pas grave. Squadra! On va chercher Pidgeot. Ah, oh, t'es en train de tuer la pauvre Birdo. Ah, oh, bah tu l'as dégommé.
Eh, voici Pidgeot, il est là. Regardez-le. Il est content. Je sais pas pourquoi il est content, mais il est content. Pourquoi elle esquive tous mes coups? Il a fait Squadela, nous sommes partis. Non, elle m'a eu. Et voilà, Squadela, nous sommes partis, exactement. C'est encore un esprit nul, c'est ça? C'est un endroit aussi, il t'a fait une blague. Eh ben dis donc. Regarde, je suis fait zéro. Fait que ça. Ah voilà, il est de retour. Le fameux. Le fantastique. Le génialissime. Oh, ça c'était méchant. Ah mais alors ça c'était cruel, méchant. Non, c'est mérité. Mesquin. Je dirais même plus Pidgeot. Pidgeot. Je ne sais pas. Squadela. Squadela. Nous sommes partis. Allez, vas-y, Metal Knight, continue de courir. Waouh, waouh. Oh, oui, c'est vrai. Un Anka M. Ah, on ne peut plus avoir d'Anka. Le boss final. Waouh. Le cas de ses écrits a créé l'armée subspatiale et semé le chaos. Oh. Ah, tu sais qui on va débloquer? On va débloquer Bayonetta. Waouh, c'est des... C'est pas n'importe quoi qu'on affronte en plus ici. Prophète. Le prophète. Tabou. Ah, Bayonetta. De métal. Méduse. Ministre antique. Tu vas affronter Méduse? Non, je voudrais partir. Attendez. Moi je dis, il faut affronter Tabou. Avec Tabou. Avec Tabou. Quand même. Il est là. À armes égales. Voilà. Je pense que c'est vraiment Tabou qui a fait ça. Tabou, il est méchant. Oui. C'est ce qui compte, non? En plus, ça, c'est le combat final, là. Ah, j'aurais dû prendre Sonic en fait. C'est ce que je me disais. Attention, t'as presque plus de vie. Il était plus calme la première fois que je l'ai affronté quand même. Oh là là. Ça m'a tué parce que j'ai subi des dommages à cause du combat. Bon, il fait plus rien maintenant, Tabou. Hein, ah bah, il a vu Sonic. Il s'est rappelé des souvenirs là. À qui pour mourir? Eh non, Sonic meurt pas, vous prenez pour qui? Vas-y Sonic. Oh, il y a une ira. Je sais pas ce qu'il fait là, mais. J'ai réussi à battre Tabou avant que le jeu ne te tue. Voilà, non mais oh. Fallait juste prendre de bons perchons, c'est tout. C'était pas canon, sinon ça marchait pas. Incroyable, vous avez débloqué un coffre. Ainsi que... Au revoir, Sonic. Tu peux plus sortir? Ah si, d'accord, ok. C'est... Je peux sortir, mais... Allez, moi, je veux le coffre. Ouah, quelle vitesse, Sonic, c'est incroyable. Vitesse, Sonic. Alors, avant de... Bon, bah, ok, allons par là, alors. Ah, tu vas affronter Médusa, c'est tout. Mais oui. Ah, mais c'est encore un combat de PV, parce que, bah, attends... Comme ça, les vrais. Ah, la gravité est élevée. Ah oui, elle est terrible, Palutena, avec ses ailes. Faites qui pour débloquer Palutena? Pas nous.
Oh, attention, elle va te faire un contre. Ah, bien joué, t'as bien visé la tête en et plus oui, pour battre oui. Médusa, bien joué. Hein, ça, c'est... Oh, bon, plus ça évolue, ça. Ça évolue. Elle évolue peut-être en Médusa... Médusa humaine. Médusa humaine. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Ah oui, le ministre antique. Ah, mais oui, bah en plus, on reste avec le perso, c'est bon. Oui, et puis en plus, c'est le thème de Final Destination. J'espère qu'on sera sur Final Destination. Je sais pas où vous allez, mais vous y allez. Ah, mais c'est la spécialité de Sonic d'affronter les robots. Mais oui. Allez Sonic. Oh là là. Non mais il y a trop de robes. Ah mais je veux pas de ça moi. Je veux pas la fleur de feu, ça sert à rien. Ah, il fallait... Non, Sonic! Où est-ce que vous allez au début de combat, là? Il y a déjà un qui est mort, je t'y ai dit. Mais tu l'as trouvé gênant. Autant s'en débarrasser au plus vite. Et puis vous aimez bien nous donner le petit bouclier dorsal, maintenant, au début. Comme ça, pas de coup dans le dos. Alors, qu'est-ce que vous allez faire contre Sonic, hein? Le petit robot, là. Vous pouvez rien faire. Faire de leur mieux. Oh. Ah bah oui, tu sais, Sonic, les robots, tout ça, il fait ça, et puis voilà. Bravo, Sonic! Contre les robots, ces machines du mal. Eh bien, je pense qu'on n'aura pas le temps d'attaquer et d'esquiver. D'affronter tous les autres. C'est pas grave, Sonic va se reposer un peu. Après tout, ça consomme beaucoup d'énergie. On peut continuer à gauche. Bah, c'est le début, quoi. Oui. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine partie. Au revoir tout le monde.